Salut à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de Mister Test. Donc on était ce week-end à Val Thorens pour la grande première avec les tests ski qui étaient organisés. J'ai eu l'occasion de tester le Melt El Gitano. Pour ceux qui ne connaissent pas, Melt, c'est la marque de ski lancée par le freeskieur allemand du Crolex of Steel, Benny Mayer, qui vend une semelle révolutionnaire en Nivilène nanocarbone et qui est censée s'adapter à la température de la neige et qui ne nécessite aucun fartage et seulement un entretien à la brosse. Donc c'est un ski qui est vendu uniquement sur internet et qui se monnaie à 449€ avec une fixation Tyrolia Attack 13. Le El Gitano, c'est le All Mountain de la marque. C'est un ski quasiment freeride avec 98mm sous le pied, 134 en spatule et 124 en talon, pour un rayon de 19m en 185, la taille que j'ai pu tester. Sur neige, ce El Gitano est assez raide aux premiers abords, pas super facile à entrer dans la courbe. Il faut vraiment forcer le mouvement, rentrer le genou et appuyer sur la languette pour le lancer dans le virage. Et ce, malgré la présence d'un rocker qui a quand même tendance à faciliter la manœuvre, généralement. Par contre, une fois posé sur la carte, c'est vraiment c'est une grosse berline 4x4 allemande qu'on a sous le pied. Un ski rapide, hyper stable, qui absorbe bien le terrain et qui tient le pavé, même à très haute vitesse et sur le dur. Le El Gitano, c'est clair qu'il est bon en grande courbe, c'est pas la même chose en virage plus court, où là il manque vraiment de vivacité d'une carte à l'autre. Il faut vraiment emmener le ski d'une courbe à l'autre, mettre du rythme si on veut en tirer le meilleur. Ce El Gitano, le ski All Mountain de chez Melt, c'est un bon ski performant pour bon skieur technique qui cherche à avoir un ski passe-partout sur lequel il peut s'appuyer en toutes conditions. Par contre, aussi bispatulé soit-il, je le conseillerais vraiment pas à un freestyler ou à quelqu'un qui cherche un ski fun, car le ludisme n'est clairement pas son point fort.